Et salut à tous! Salut YouTube, on se retrouve pour une nouvelle petite série de vidéos. On va repartir dans le passé, on va aller s'intéresser au top 8 du CR Lorraine qui nous a été envoyé, alors même avec du délai, mais ça nous a été envoyé, donc on va le traiter quand même. On nous a envoyé les trois vidéos quart, demi et finale de ce championnat régional qui a eu lieu, je ne sais plus, je crois que c'était fin mars ou début avril. Je crois que c'était début avril. Donc Je te fais confiance là-dessus. au moment, je Ah, ne l'ai plus en tête, mais post-banlist, du coup. post-banlist, oui, de toute façon, déjà on vous le dit, il n'y aura pas de All Sticky Fingers, sinon on n'aurait pas forcément pris des vidéos de toute façon. Alléluia. Le match-up qui va nous intéresser, quart de finale, alors je suis désolé, je sais qu'il y en a déjà beaucoup eu, mais bon, c'est le pack qui performe, donc forcément, en top 8, on le retrouve systématiquement, c'est à nouveau Rafine. Mais par contre, limite, on va plutôt s'intéresser à ce qui se passe en face de ce général, car il s'agit d'Ezika, ou plutôt Bridge. Oui, Bridge. C'est souvent cette face-là, mais bon, de base, on va dire Ezika, c'est comme ça que ça s'est inscrit sur la scène. Pourquoi? Parce que c'est déjà, on le voit pas souvent, ça vient de se hisser en top 8, donc du coup, la personne s'est qualifiée forcément pour le championnat de France avec ce pack-là. Peut-être que le pack sera maintenu Pour par le joueur, donc à voir, affaire à suivre, et on va plutôt regarder comment ça se comporte face à un Raphine qui reste. Pour moi bon. maintenant, le top tier, vraiment, je pense qu'il se C'est met un vrai que peu au-dessus de tout le monde. ça, en fait ça dépend vraiment du metagame, mais actuellement Mais face à c'est tout ce vrai qui est que déjà méta, ça se place très bien partout. Donc c'est vraiment pas le S tier, mais quasiment c'est pour ce ça. pack. On va couper le son de la vidéo C'est et on mieux. va s'y jeter. Yes, Donc on du coup, verra le qui a le logo, tof ça me permet aussi. de dire, voilà, le championnat régional Lorraine a été organisé par la guilde des Détruqués. Donc comme d'habitude, les liens sont dans la description, donc n'hésitez pas à leur faire un coucou ou à prendre connaissance si vous êtes de la région ou pas d'ailleurs pour les rejoindre et éventuellement participer à leurs futurs événements. Donc. On a affaire à du coup Dorian qui joue Rafine et Yann qui jouera Ezika, donc Ezika a un 5C, 5C mais contrôle, clairement pas le plus populaire dans les 5C. éventuellement avec le plan de jeu combo Breach, ça existe. Sinon, tu vas jouer des grosses techs en termes de Planeswalker ou de créatures. Et puis en avant, hein, c'est. En avant, Guingamp. Alors par contre, du coup, le toss, je ne l'ai pas. Donc on va, de toute façon, on va le découvrir au fur et à mesure. Je me demande si j'ai pas déjà vu Sholdred dans la main de Ouais, il y avait une Rafine. Sheldred, il y a un Memory Lapse, il y a l'air d'avoir ce qu'ils font en land. Il y a une Manalik côté Ah Ezika. ouais, on joue Gemstone Mine dans SIK. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Et par contre, on va quand même mulligan. Colonnade Céleste côté Rafine. Alors, Du fait coup, je définir un pense peu que les le cartes. toss. Il y a un Passway, Colonnade Céleste. J'ai l'impression qu'il y a une Sholdred. Ça a l'air d'être keep d'ailleurs Oui, de ce ça a l'air côté-là. d'être keep. Parce Donc on qu'il pose a le ses back. landes, il peut jouer au jeu. Donc. Ça n'a pas besoin de grand-chose en fait. Hein. Rafine, ça a une curve tellement basse. Ça a une telle domination en early. Et pourtant, ça peut s'adapter sur un plan de jeu de contrôle. Oui, c'est l'avantage, c'est que ça peut vraiment Le pack, il est moduler. flexible. Ça, voilà, ça Voilà. peut Il est très moduler son plan de souple. jeu en Voilà. fonction de ce qu'on affronte. C'est plutôt pas mal. Bon, phase de Pour l'équipe réflexion. Delta, Je crois qu'on a Chaotique, un Ley Line Guildez. Binding, on a un Cryptic, tout à Oui. fait. Cryptic dans 5C, c'est C'est dur. négociable, mais c'est dur. Bah, c'est beaucoup plus facile que maintenant avec tous les triomes. On a des Oui, mana bases qui sont beaucoup certes. plus permissives. J'ai pas fait attention à ce qu'il avait mis en Je n'ai dessous. pas vu non plus. De toute façon. Alors, ah, Et en plus, il a le toss pour toss Ezika en fait. Ezika, donc mieux placé à l'issue des rondes. Je crois que c'est la sirène Storm Tamer. C'est malin ça. Ah, c'est la blague. Allez, colonnade. Colonnade qui est posée en early. Alors, même pas de tap, elle arrive inversée. C'est beau. À la connaissance de l'adversaire directement. On va fetch, bah, très certainement dans un triome. C'est probable. On peut aller chercher du coup peut-être le Grixis, vu qu'on a une savane en main. Oui, ça permettrait d'avoir Toutes l'ensemble nos des couleurs, ouais. couleurs. Bon, après, c'est pas forcément bien. On C'est joue surtout sur. pour Leyline Mining, on se dit Ouais. là maintenant on coûte plus que 1 déjà. Et non, on va partir sur le Jeskai. On joue Chant du Cygne dans ce Ysica. Plutôt C'est. satisfaisant quand même de ne pas avoir de créature T1 sur Rafine qui poserait déjà directement une menace.
Et on sait qu'avec Raffine, en fait, n'importe quelle créature est une menace à partir du moment où ça commence à connive. Burning Pool, qui est pioché. Donc on pourrait retrouver une couleur, du donc le vert cette coup, fois. On aura accès. Pour l'instant, on a toujours, on n'aura pas toujours pas accès au noir à part si on l'a déjà en main. Ouais, mais je vois. Je me demande s'il n'y a pas Scrub Land. Non, c'est Savane, en effet, t'avais raison. Donc on a le vert qu'on va rajouter à la mana base ce tour-ci. Sans payer de points de vie. On a l'Align Binding, on pourrait très bien dire fin de tour, et si on a un drop 2 en face, oh, on a un drop 1, on aurait pu avoir un petit drop 1 flash, il y en a en bleu. Non, parce que de toute façon il est arrivé oh, tap. Là, hein. on voulait un drop 2 flash. Ouais. Ça c'est pas mal. Et on l'avait vu dans une précédente VOD, hein, cette créature qui a Fairy été MVP. Mastermind, c'est pas dégueu. Et Siren Storm ta mère du coup. Ah non, c'est Fairy Seer. Ouais. Un petit Scry 2, on va lisser un peu la sortie. C'est raisonnable. Les parties qui sont tellement clutch, donc prendre des infos sur ce. Pouvoir anticiper la pioche ou justement se débarrasser de choses qu'on ne veut pas, c'est oui. Très très fort. La carte c'est très bien. Et elle vole en plus, donc capa d'évasion, très très fort dans Raffine. On peut attaquer connive sans prendre le risque de trop perdre des créatures sur des trades hasardeux. Dame. Dame. Ça peut faire le taf. Ça se calmerait bien en plus sur du Raffine éventuellement. Burning Soul. Ah non, j'ai du mal voir. Du coup, il a ses deux manas blancs. Il manque plus qu'un mana pour pouvoir payer cette dame. Et l'antenne chromatique. Bah, voilà, le... C'est. Pourquoi pas après. C'est... Ah, le passe-quoi, il a été posé côté noir. On va dire. Du côté de Raffine. Ouais, côté noir. C'était donc un noir bleu, j'ai l'impression. L'antenne chromatique, on voit pas souvent. Hein. C'est. Ouais. Enfin, la liste me rappelle des 5C, mais vraiment old school. Ouais, voilà, c'est ça. L'antenne chromatique, c'est une carte de 5C old school. Et pourtant à respecter, hein, le pack s'il est là, c'est pas par hasard. Donc on a Unearth sans main aussi du côté de Raffine. Ça c'est tellement fort Unearth, permet d'éviter les taxes. Yes. On prend contre sur notre chef et puis. C'est ça. D'ailleurs. Du coup on sera plutôt sur un T4. Ouais, on n'a pas joué, on a pas joué notre CZ. Oh, ah, passeur de la mer creuse. C'est pas dégueu. On prend l'info, on retire une carte. Une carte, par contre, c'est non-terrain, je crois, simplement. Non-terrain, tout à fait. Et si on fait removal dessus en réponse à l'ETV, bah, cette carte est exilée définitivement. Oui. Du coup, c'est moins bien. Les lines d'âme, je ne vois pas qu'est-ce ce que ça peut que être. C'est la, que ce la, la carte, c'est pas une créature. Est-ce dirait un enchantement. Ça a l'air de coûter un... C'est un truc de Warhammer, j'ai l'impression. Non, c'est un truc Judge Reward. Alors, super. Merci. On va pas aller loin. Est-ce qu'il est sur MTG Top 8 bon, bah, je pense, oui, quand même. Attends, je vais regarder. Je vais chercher des ICK directement. Ce sera plus simple. Alors, MTG Top 8. Pendant ce temps-là, Dorian qui continue à réfléchir sur comment il s'en sort avec ça. Et il va récupérer le Damn, mais évidemment, on va enlever la brasse si on n'est pas chargé en contre. Était le nom du. Alors, c'est Lorraine, voici. Bon, c'était en blanc. Bah, c'est va. Peut-être Pass to Exile. Ah, une version. Alors, on jouerait PTE. Plutôt rare de voir. Très rare ouais, de voir la carte. C'est carte qui a été un peu. Oubliée. Oui. Alors que pourtant, elle était tellement forte. Bah, c'est qu'en décès, tu as accès déjà à Surtout plus cher qui est pas du tout le même délire et du coup. Bah en fait, avec le Sword to Plusher, on donne aucune ressource à l'adversaire en termes de cartes. Oui, on redonne des points de vie, mais on se dit généralement, les decks qui jouent Sword to Plusher, soit les points de vie, ils les font redescendre très vite, soit justement, on se fiche des points de vie en early. Alors que donner un terrain avec Pass to Exile, c'est déjà pas la même. Je vais vérifier quand même, mais j'aurais tendance à penser que c'est ça. Pass to Exile. Et si je regarde les différentes versions... C'est bien ça, c'était un Pass to Exile. On a tenté de jouer Bridge et on s'est pris un Spell Pierce. Alors là, Secret Lair de Arcane. En effet, on n'avait pas de contre, on avait pas l'air chargé en contre, on a enlevé la Vrasse, on a essayé de jouer Bridge, on a pris Spell Pierce du coup dans les dents ça avec le seul petit mana up qui était, enfin le petit mana qui était up. Ça fait très très mal. Et là, on aurait peut-être un joli spot Raffine. Bah, surtout qu'on est protégé de la Vrasse. On va pas y aller. On est pas protégé de la Vrasse. Bah, la Vrasse a été mangée par le passeur de la mer creuse. Ouais. Ouais, mais en fait, c'est parce qu'on a Pass to Exile en face, du coup, ça facilite pas beaucoup les choses.
On n'a pas les PV, je viens de me rendre compte. Non. Du coup, il va falloir les... 1, 2, 3, 4. On serait à 16 côté. Ouh, ce qui Il fait. y a un fetch, hein. Oui, c'est pour ça. Du coup, 15, Frère non? ici, Il a pas c'était attaqué 1-1. il a attaqué deux fois, Ferrissière. Ah, peut-être, ouais, il Donc a on sera à attaqué. 15. Et du côté de Raffine, on serait à 20. On n'a pas vu, j'ai pas vu de fetch. Ah, attends, je vais prendre un petit compteur de PV à côté de moi, comme ça au moins. Ça permettra de suivre le cours. Ouais, c'est un... Droit à la gorge qui est pioché, c'est dommage parce que ça rattrape pas du tout le passeur de la mer prose. Par contre, ça pourrait attraper Skyclave, nous donner une 3-3, ce qui serait pas dégueu hein, pour bloquer le passeur de la mer prose. Et c'est dommage parce que ce fetch qui lui bloque le noir. Là on est à 15. On est à 15 du côté de Isikea donc. Il est obligé de manger des compteurs de son terrain pour pouvoir générer du noir. Il hésite, hein, alors que c'est éphémère, mais bon, en même temps, contre Raffine, on n'a pas envie de le laisser d'étape. Ça force un peu à jouer en rituel, hein, de jouer contre Tempo. Oui, parce que bon bah on à tout moment on prend Et non, contre ça et marche on pas. perd. Non. C'est un artefact. C'est... Ce n'est pas Ah, je valide. l'attendais. Ah, et du Là par coup, contre, non, normalement, c'est un rollback. oui, Hein, c'est un rollback normal. parce qu'il a casté sur une créature qui n'avait pas, qui n'était pas Il n'est légale. pas censé aller au cimetière, effectivement. Mais bon, pas la peine de hurler dans les commentaires, comme d'habitude. Nous, on a les vidéos, on est un mois après. On ne va pas jeter la pierre. Et on va les line du coup. Du coup, joueur très réglo, hein, qui se pose même pas de questions, il dit bah tant pis, je suis puni, j'avais qu'à faire gaffe. On récupère notre Vras. Je sais pas si ça aurait été rollback ou de besoin de redéfinir la cible. Ça aurait Je sais jamais ça. été... Je crois que ça aurait été rollback. Je sais plus. Parce qu'il avait le droit de la lancer la carte, mais par contre, il n'avait pas nommé une bonne cible. Ouais. Donc je sais pas si ça aurait pas dû être redéfinition de la cible. Je... Faudrait demander à un arbitre. Bon, y en a bien un dans les commentaires qui va nous le dire. Oui. Le fetch, Ce là, c'est le problème. premier PV du coup qui va partir du côté de Raffine. On serait à 19. On a un fetch en pile. Là, il s'en veut, là, le joueur d'Essica. Ouais. On est à 19, ouais, du côté de... Faudrait qu'on note les PV, quand même. Ouais, non, on va pas pouvoir. Là, en cours de route, moi je ne Ouais, bouge c'est plus à la vrai. Seine. C'est vrai. Bah, on fera ça pour la prochaine, du coup. À la limite. Alors, vous l'avez pas vu, mais Cléomène a grimacé fortement, parce que Ah, j'ai ça... rien de propre, j'ai rien de propre de truc et on n'a pas forcément le time pour qu'il faut proposer. C'est vrai. Mais par contre, je vais peut-être demander, ouais, en effet, la personne qui avait enregistré pour Aquitaine, Blacky, qui avait un petit outil qui avait l'air pas mal. On va voir un peu comment on peut développer ça, mais c'est vrai que. YouTube, il n'y a pas beaucoup d'évolution pour l'instant parce que bah, on manque de temps, on manque surtout de temps d'ailleurs, et un peu de compétences, mais on fait avec ce qu'on peut faire pour l'instant. Et puis on est là, il y a déjà nos personnes, c'est déjà pas mal. Raffine, alors qu'on sait qu'on a rendu une Vras? Non, on va pas y aller quand même. C'est un Shredder, une version alternative, ou un Bob, version bizarre aussi? J'arrive pas à voir. Alors, non, au final, on se ravise. Soit dit en passant, on a passé la barre des 2000 abonnés, donc Il est vrai. c'est merci à vous. Merci. Ça fait très plaisir. Ça avance toujours, gentiment, mais sûrement. On gratte 3 PV par 3 PV du côté On serait à de Raffine. 12 du coup, du côté On se de presse Jessica. pas. Ouais, y a pas eu d'autres fetch, il n'y a pas de Painland. Et on dit fin de tour au final du côté de Raffine, on force pas. On force pas le jeu, alors même si. Ouh, Emrakul? Non. Si? Ouais, si c'est Si, Emrakul, c'est mais ça va Emrakul. être difficile à caster. Voilà, on vient de piocher une brique. On peut pas rejouer Ezika, en plus ça fait manger le. Ouais, c'est vrai que ce droit à la gorge aurait tellement dû aller sur le Skyclave. Ouais. On n'aurait pas été Très obligé de mettre les clairement. line binding dessus. Fin de tour, on a une action. Fairy On va, ouais, Mastermind. Fairy Mastermind, très bonne carte. Donc du coup, si le joueur de Desika a le malheur de piocher une deuxième carte, il piochera une carte, enfin Dorian piochera une carte en plus. Et c'est surtout qu'à la fin du tour de l'adversaire, bah on peut faire piocher tout le monde, du coup on pioche deux cartes Oui. et ça peut être la teuf. Ah, on va pass to exile. Ce Target sur Skyclave. Skyclave. Oui, bon on laisse passer. Hein.
Par contre, on est quand même content de récupérer, en effet. Alors, par contre, on va récupérer. Non, par contre, elle est. C'est exilé et C'est on fait définitivement. un token. Tout à fait. Pas d'arbitre en Lorraine. Ouais. Il est caché où? Alors, on est au quart. Il reste d'autres tables, mais Oui. normalement, un arbitre qui finit de gérer le top 8. Ou deux, ça arrive des fois, s'ils sont sur place. Ah, voilà, c'est bon. Par contre, on connaît nos cartes quand même du côté de Raffine. C'est exilé, par contre, il y a une Ouais, 3-3 qui il y va a être une 3-3 générée. tout à fait. Ok, on la représente. Il l'a. Il y avait un joli token. Bon, ce sera un Ce crabe, mais sera, bon, ouais. voilà, ça sera un crabe 3-3. C'est bien Alors, aussi. normalement, c'est une illusion bleue. Ouais, tout à fait. Au moment de la couleur, c'est déjà ça. Ouais. Au pire, on reprend vite fait le texte de Skyclave. On va prendre notre tour. Par contre, tout vole, hein, et là, on veut pas expandre à cause de cette vrasse, tant qu'on n'a pas de contre. Ouais, voilà, il nous faut un contre ou une flawless manoeuvre, donc. Pas encore rendu. Toujours joué, mais ça fait longtemps que je l'ai pas vu sortir, la Flawless Manœuvre. Alors, réflexion. Est-ce qu'on met 3? Est-ce qu'on go avec une raffine et on tente de connive et de fouiller nos contres, justement? Parce qu'on serait obligé de tap out complètement, ouais, du côté de Bezika. Encore un passway? Ça m'enlève tout l'air. Ouais, Hein. le bleu-blanc. Moult passouet. Multipass. Oh! Ah Ah ouais. ouais! Bah en Bah en même vrai, temps, oui, non, ça ça match marche très très bien bien. contre. Et Parce surtout, que bah, on là, a une on a cloque. l'étal en deux Ouais, tours. on a une. On serait On à. passe à 6 du côté Il est pas de. 2-1, par contre, le mastermind. Il est 1-2. Il est 1-2, ah oui, c'est ça. On serait donc à 6. Et on garde un mana quand même, on sait jamais. Grosse payroll. Ok. On va piocher une carte, on va pouvoir éventuellement reposer un Poser un land, terrain. ouais. On le Donc. fait pendant le tour de l'adversaire, du coup, bah, c'est C'est pas sa ça. deuxième carte. On ne piochera pas. Il trouve un Triome qui Trium, va très venir bien, c'est engager. très bon timing pour un Trium. Bah, on peut jouer Ezika, mais ça ne nous sauve pas parce que bah, Elle a on déjà une prend la claque sur max après. Ezika. Counterspell. Bah, les menaces sont déjà là. C'est le problème des contres. C'est une fois que c'est sur la table, c'est compliqué. Le Va contre falloir disparaît. lâcher cette dame, non? Ouais, et c'est ce qu'il va faire. On va pas avoir à utiliser de compteur normalement. Ah mais attends. Et il peut même pas caster son dame Ah si, il y a les deux blancs. en ouais mais sans le Ah, sans en le. version Oui. de double noir. Double noir, oui. On Il aurait aurait dû pu attaquer, attaquer, ouais. ouais. On a évité. Là on n'a même pas le contre en backup, c'est un peu Ouais, il a dramatique. raté un ou deux land drop. Ça l'a mis mal. Là, par contre, on va peut-être. Au fort Swarn. empêcheur, oui, qui est pioché. Est-ce qu'on peut pas genre, simplement slam Et du raffine? coup, je disais une bêtise, on pouvait pas jouer ici. Car... Ah non, on continue On voit à. qu'on y a 4. Et non, ben c'est la fin, Ah, apparemment. On a peut-être raté quelques dégâts. qu'on a raté des dégâts, oui. C'est. Ou alors, c'est un concede. Oui, ça peut être aussi le cas. En tout cas, ça fait un Ce 0 serait bizarre. du côté de Raffine. Yes! Alors, on pourrait dire, ouais, Raffine, c'est toujours aussi fort, mais là, malheureusement, Ezika n'a pas pu proposer grand-chose. Et là, ils sont en train de revenir quand même sur le play du droit à la gorge. De toute façon, voilà, maintenant, c'est mort, hein. Et ils sont en train d'appeler un judge, apparemment, pour ça. Ah, bah, c'était sur le moment qu'il fallait le faire. Oui, tout à fait. Donc Dire là. comment ça se passe, qu'est-ce qu'on fait, dans quelle étagère. Quelle étagère? Grande question. Et on va pouvoir shuffle, redéfinir les mains et on repart sur une nouvelle game, reset mental. Prendre les parties un peu comme elles viennent. Essayer d'être un peu plus frais. Bah c'est ça ce qu'il faut se dire. Alors je me souviens plus combien ils étaient. Je vais aller chercher ça. Je vais pouvoir Il vous joue pas la ressortir. combo bridge, le joueur de Sika. Ce CR Lorraine qui a eu lieu le 16 avril, c'était un des plus petits CR, 39 joueurs. D'ailleurs, oui, les CR dans le nord-est, généralement, qui sont plutôt petits. Il joue pack de négation, le joueur de Sika. Ben, c'est qu'il y a peut-être quand même de la combo, parce que généralement, c'est un contre typiquement combo. Parce que Bah, comme ça, on gagne et on paye pas, on n'a pas c'est besoin de payer. plutôt, ouais, je crois que c'est.
En fait, sa decklist, elle est assez old school, en fait, mais... Il y avait 39 joueurs, ouais. Donc on était sur un 6 rondes et top 8. Donc là, c'était la 7ème manche jouée. S'il n'a pas ID, du coup, oui, il a joué ses 6 rondes. Généralement, c'est ce qui se passe. On se retrouve à être sur les bons départages qu'on est obligé de jouer, alors qu'en... Généralement, on a ID pour assurer le top 8 et après, on assume le fait d'être un peu moins bien appareillé. Oui. Mais bon, ça les vaut, hein, le fait de pas, comment dire, d'ID, franchement, ça vaut le coup d'assurer un top 8 plutôt que, ou un top 12, Un top 12. plutôt que de risquer de se faire sortir complètement. Ça vaut le coup de dire, bah, je joue pas et tant pis si je suis pas bien appareillé, au moins je joue mon top 8 et même si j'ai pas le toss. Casse pas tout. C'est juste que je voyais un petit défaut sur le trophée. Oh, c'est normal. C'est un proto. C'est le proto. Et du coup, on va Allez, pouvoir game 2. repartir sur cette game 2. On se souvient aussi qu'il avait Mulligan. Badland. Alors, je vois Badland et je vois du bleu. Il y a un TNN. Une île de base qui est aussi là. C'est une île Ouais, ça ou il. non? Oh, Ok. il joue Trias Guy. privation. Oh, Badland qui est. privation, c'est. Enfin, c'est pour jouer avec Mystic Sanctuary, je pense, mais. Île de base qui est posée égaux. On a vite choisi les mains des deux côtés. Attends, est-ce qu'il joue vraiment. Ah non, il joue pas Mystic Sanctuary, il joue privation. Ah, c'est. Inquisition de Kozilek, C'est direct. particulier ça. On étale la main. Ah, ou alors la decklist n'était pas à jour, c'est peut-être ça. Oui, c'est possible. Parce que là, je regarde, enfin, privation, elle était pas dans la decklist qui était en tout cas sur le top 8, donc il est possible que. Privation, c'est Counterspell, mais tu remontes une Un île, land, un ouais, land. un land. Et du coup, normalement, si tu le joues pour combattre, enfin, pour faire Une contre tous synergie les avec tours un. avec Mystic Sanctuary. Sauf que bon, c'est parfois pas évident. Ah oui, c'est lourd quand même à setup. Parce que du coup, tu te bloques ta pioche en plus. Hein. Ouais, après, bah, si tu veux piocher à chaque fois des counterspells, ça va bien marcher. Par contre, ce petit contre qui coûte que. Ouais, Mystical Dispute, Ouais, voilà. c'est pas mal. Qui coûte 2 de moins contre du bleu, face à Raffine, ça peut être fort. C'est probable que ce soit ça qu'il faille Bah retirer. ouais, parce que privation, par contre, en early, c'est un très mauvais contre. Enfin, ça coûte très cher en termes de tempo. Je crois que c'est un Forbidden Orchard qu'il a en main. Enfin, le land. Ce qui est vraiment pas bien contre Raffine. Parce que Ah ouais? bah, Je tu le vas connais aller. pas. En fait, tu peux faire de l'un. Tu peux l'engager pour faire de la couleur que tu veux, mais tu donnes un token 1-1 à l'adversaire. Oula, oui! Oula, c'est risqué, oui, contre Affine. Genre vraiment pas du tout ce que tu as envie. Je vais vérifier, mais je crois que c'est ça. Forbidden Orchard. Et justement, il est posé. Bingo. Ouais. C'est quand tu c'est pire que ça. Tu peux l'engager que pour faire du mana de la couleur que tu veux. Et quand il est engagé pour du Ah oui. mana, l'adversaire ciblé crée un token 1-1 Ah spirit. oui, il est engagé pour du mana, c'est pas engagé avec un effet Ouais, ou ouais. autre. Mais c'est que du coup, bah, même si t'as Urborg ou un truc comme ça, bah Alors du tu. coup, Raffine qui l'en tape, Raffine's Tower justement. Gros spiral. Aïe, aïe, coup Alors du coup, on dur. va donner un token. Oula, on va le contrer en plus. Ah non, What? Banstorm. Ouais, après le token normalement est censé déjà être là, vu que c'est une capacité de mana. Ouais. Ça ne passe pas par la pile. Ah, alors, non, pardon. Bah non, Si, ça déclenche. tu crées un trigger parce que tu l'as engagé pour le. Enfin, c'est Le quand mana tu est dans le. Ouais. la pool, mais le Tout à trigger est fait. unstack. Tout à fait, tout à fait. Je dis des bêtises. Il y a eu beaucoup de landes. J'ai l'impression que ça a pioché 3 landes d'ailleurs sur le brainstorm. Par contre, le token, Ouais, le token, il est en train de le chercher, non? C'est peut-être Dorian qui est en train de chercher le voilà, token. c'est Ouais, bon. voilà. Ok, c'était ça. Ouais, il a pas le vol, le token, par contre, faut le préciser. Grosse Spiral qui a réussi à poser Badland, on n'avait pas d'autres On a terrains pioché engagés. plateau. On a le plateau. On est pas mal là pour l'instant niveau le land. On est pas mal. Prordain, On va on a probablement double jouer contre cette. en main, on a Miskalk aussi. Ouais. Donc on Il va faut aller farm. chercher notre cinquième land. Plus important. Et du coup on aurait Khazad Gaïl aussi en backup. Ouais, Marcoul, ça va aller en dessous. Ouf, et Void Marcoul en Rain, dessous et c'est pas Void mal. Drain, c'est ouais, c'est vraiment pas C'est pas mal. dégueu. Après, le problème, c'est Après qu'on c'est que veut ça propose vraiment pas. 5 Ouais. hit mordre. Et je suis pas sûr que ça se passe bien.
Il prend le risque, il se dit bon, ouais, la deuxième, ce sera un land. Bon, Void Rain, c'est bien, donc ça peut se négocier, mais. Ah, il a Kaya's Gale up. Ah, ça marche pas très bien quand tu donnes des tokens à ton adversaire. Ouais, c'est ça. Et de toute façon, là, Dorian va pas aller s'empaler dans des contres. Hein. Il a l'info sur des privés. Après, il peut le forcer. Là, il peut pas le jouer. Normalement, juste Shard, c'était joué dans un deck qui s'appelle en Vintage House of Druids. Ouais. Où si t'es un adversaire qui contrôle plus de créatures que toi, et bah tu révèles. Je crois que c'est au début de l'entretien. Et tu révèles les cartes de ta bibliothèque jusqu'à tomber sur une bête que tu mets en jeu. Genre, tu joues que des grosses. Enfin, tu joues un gros. Genre, un ou deux gros tons dans le deck. Et puis tu gagnes une partie comme ça. Genre pour Genitus. Un petit Miracle V1. Hein. Ouais. Ça marche bien. Alors on a fetché. Du coup on est à 19 côté raffine. Allez, shuffle. Toujours long hein, les shuffles. Ouais. Alors, c'est une partie qu'il faut entraîner, on va dire, pour s'améliorer. On va cogner direct. Allez, on en profite. Tu me donnes des créatures, moi je te tape avec. Est-ce qu'on va bouger? Ouais, je pense pas. Hein. Non, on bouge pas. On pioche un triome qui viendra tap. Ok. On delay l'entrée de Zika, fin de bridge, mais en même temps, avec 3 mana up en face, dont 3 bleus, on n'a pas vraiment envie de bouger non plus. Ah, ouais, plus malaventure, c'est pas mal. On trouve les landes aussi. On refetch. On est reparti pour un petit coup de shuffle. Shuffling l'assemblée. Ah, c'est un peu le format qui veut ça. Hein. Qu'on a accès à tous les fetch. Mmh. Alors, le scrub land, on n'a pas encore frappé. Je pense pas qu'on parte hein, sur, de toute façon. Ah, sur, peut-être qu'on va partir sur Affine. Bah, on sait qu'il y a un contre en face. Après, on peut le forcer à faire du CA juste sur la command zone. Bah, faut voir en fait ce qu'on a. Bah, déjà, si on a. Si on force le contre, bah, la privation, déjà, on renvoie un land de la main de l'adversaire. Bon, après, c'est pas forcément incroyable. Mais si on a un contre pour Essika, ça peut rester correct. Laps, c'est pas mal. On a Miscalc, Laps, Void Rain, privation. Donc, on a clairement une main contrôle. C'est Ledger Shredder, je crois. Oui. Ouais, ça par contre c'est une bonne créature qui peut attraper les contres, qui coûte pas trop cher. Il aligne le pognon ensemble. Les trois bidons. La thune. Shredder, c'est une bonne option hein, de l'envoyer hein, là. C'est... Ouais. Ça fait du 1 pour 1, hein, mais pour l'instant, il a la cloque, hein, même si c'est que 1 par tour. Dès que ça va se débloquer, dès que Raffine va pouvoir se débloquer, on va... Raffine. Ouais, je crois que ça prend dessus. J'y crois moyen. Ah, ou peut-être ce Whiteplume, mais il faudrait peut-être stacker avant. Mmh. Ouais. Ouais, puis on a déjà landé, même si bon... Pas trop grave non plus. Ah, et Whiteplume Adventure, ça marche pas très bien quand tu veux te prendre Chaos Gale. Ah non, TNN. Ça marche bien. Là, faudra probablement faire ce memory lab sous cette privation. Les deux sont legit. Par contre, il y a combien de sources de bleu sur le terrain de Yann? On a 3, si on compte le terrain qui génère des tokens. Du côté de Yann, on en a 3, tout à fait. Donc, on pourrait privation. Et si on prend un contre dessus, on peut miscalc. Du coup, ce serait pas mal. Je pense que c'est privation qu'il faut faire maintenant. En priorité, ouais. En remontant cette île de base. Par exemple. Bataille de contre, après, ça nous permettrait de jouer bridge, justement. Oui. Et bridge Kirisu, ça peut gagner la partie. Mm. Normalement, de toute façon... Enfin, en théorie, s'il fait privation sur la TN, il va dire oui. Ah, ça peut coûter cher, ça. Oula, Void Rain. Sacrifie une bête et il fait un token. Ah oui. Ça a l'air de partir là-dessus. Créature token. Ce qui est dommage, c'est que ouais, on aurait aimé pouvoir faire ça avec Tienen tout seul sur la table. C'est ok. Voilà.
Non, le cimetière est de l'autre côté. Et le token. Le blanc noir. C'est le bon. C'est important. Main phase 2, est-ce qu'on va avoir une action à faire côté Raffin? Non, je pense pas, on va garder des manas au moins pour présenter. Ouais. Condamnation. Ah, elle tienne, il va être problématique. Hein. Bah oui, oui. Il peut aller au bout, hein. D'ailleurs, j'ai oublié, mais on n'a pas compté les PV non plus. Non, il y a eu deux frappes de token. Deux frappes de token? Ouais, je crois. Et ouais, j'ai pas vu ce fetch en plus du côté de Diane. Donc il serait à 18 en théorie. Mmh. Il reste du temps. Il y a eu un fetch du côté de. Fin de tour, on va tenter de push ce token. Fin de tour ou avant des attaquants? Non, je pense que c'est fin de tour. Ouais, okay, c'est fin de tour. On veut pas bouger hein, du côté des Ika. On va peut-être jouer Raffine du coup. Oh, Adeline. Ça on a Adeline, on a Ledger. Moi perso, je partirais sur Ledger. Je regarde ce qui se passe. Bah, en fait, le problème c'est que Ledger ça te permet pas vraiment de curver. Ouais, mais si tu joues Ledger et que tu joues Adeline ou White Plume. Là, en fait, pardon. Ça va peut-être être White Plume qui va falloir jouer. White Plume, ça a l'air d'être vraiment bien dans le spot. On a déjà frappé. Pour deux. Et là, on va partir Ledger. Ok. On peut pas l'ignorer, Ledger. Ça fait trop de. Oh, ça va. En trop vrai. De value. Ça risque d'être une créature vraiment problématique. On va peut-être partir sur White Plume, qui va connive. Faut pas jouer White Plume, parce que sinon, on n'a plus de mana pour pouvoir contrer si on veut représenter un monde. Void Rend. Ok. Ce qui est étonnant, c'est qu'on. Sur le passage de Prion, on Void Rend. Je crois qu'il a dit fin de tour. Ah, il avait peut-être dit fin de tour, oui. Ouais, c'est exactement ça. Tainted Pact. Pact. Mmh. On trouve plus de land hein, du côté de Ezika. Bah, Pact, c'est un land. Oui. Arrive plus tard. C'est ça. Une TNN qui a frappé. On devrait être autour de 15. Dans ces alentours. Je crois qu'il y a eu deux fetch. Donc on sera à 18 du côté de Raffine, 15 du côté d'Estika. Toujours cette Adeline, cette White Plume. Après, Voidrain qui part, on est content de l'avoir passé. Ah bah clairement, là on a. Ça nous annonce un peu le champ libre. Bah oui, parce que bon, Raffine ça se gère, mais bon, il y a une taxe quand même. Adeline. Ok. Adeline. Si on la laisse passer, on se prend une baffe à 4 cette fois. Et Adeline va devenir de plus en plus grosse. Va être fat. Ou alors on pacte là-dessus, je sais pas. Ça va être privation. Non, on part sur privation du coup. On va bouncer l'île. Oula, le Badland. Sans prendre le mana. Ouais. Bah. Ouais. C'est douteux. Mmh. Je vais pas mentir, c'est douteux. C'est contré en tout cas. Tiens, qui continue à frapper. On passe à 12 du côté de SK. On n'est pas puni là-dessus sur ce boon, ce Badland. Est-ce que là on n'a pas envie de. Même si on donne une info, on n'a pas envie de lander cette Lilltrop plutôt. Ouais, non, on reste sur le Badland, comme ça on donne pas l'info. Si on landait il trop, c'est débloquer plus de bleu. Potentiellement mystique sur Tsari s'il le joue. Ou sinon bah pouvoir jouer cryptique. Enfin cryptique on pouvait déjà mais ça fait forcément. Void Rain par contre qui a récupéré cette fois. Bah du coup on va pouvoir y aller entre guillemets parce qu'on a notre réponse à SIK si notre adversaire la slam. Du coup c'est. Voilà. On peut jouer Raffine. Et ensuite on pourra faire potentiellement White Plume. Ouais, faut Memory Lapse normalement. Ouais. Le joueur de Ezika un peu décontenancé, j'ai l'impression, sur ce BO. Ouais, peut-être qu'il connaît pas trop le match-up. Mais... On frappe. Et là, on va laisser résoudre. Un land qui va sûrement être discard. On n'a pas besoin de plus.
Bon, pour l'instant, on n'est pas trop sur une bagarre de langue, donc ouais. Non, faut pas une cire de white plume par contre. On a Void Rain White Plume Land. Oui, Void Rain, je l'ai dit. Ouais, on va descendre. Ok, Land, donc du coup, ce sera 3. Ouais. On passe à 9 du côté de. Potentiellement 9. Fin de tour, impact. Je pense qu'on peut laisser résoudre. Ah, quoique. Ouais, si, on peut peut-être laisser résoudre. Parce qu'on risque juste de se prendre une vieille balance ou un truc comme ça, et puis ça peut être chiant. Ah si, on va bouger. J'aime pas trop s'il fait mémoire absente, non. Bah oui, parce qu'en fait on se tape pendant carrément juste avant l'untap adverse. On va dire. On va le résoudre. Command Tower. Binding, balance. Ah, voilà. Là, elle est pas si loin que ça en plus. Disgusting balance player. En plus, on a. Bonne balance. On a des cartes. Hein. Ouais, je pense que tu la gardes, hein, la balance. Balance, ça répond un peu à ce que tu as envie de faire. Hein. Bah oui. Hein. Ouais, voilà. Et on va la garder. Hein. On perd que 3 cartes. Du coup, on va jouer balance avec counter backup. Ça va être très bien. Expressive itération, c'est bien. Est-ce qu'on lande d'abord 3 Je pense qu'il faut lander après. Ouais, on lande après. Ah, il lande quand même. Ah, il va peut-être avoir des réponses. Il dit bon, tant pis, c'est pas sur les landes que ça va se jouer. Et enlever des cartes de sa main plutôt. On va jouer okay, balance. Alors comment elle va être payée? Ok, avec le Badland. Et on va dire oui. Ok. Les cartes sont Les cartes, j'ai l'impression qu'ils avaient le même nombre de cartes. 4 cartes. Okay. Ok, on a fait Vras pour 2. Et bah, va peut-être falloir jouer cette. Ouais, bah non, on l'a landé du coup. Faut peut-être pas jouer cette expressive itération. Mmh. On va dire fin de tour, ouais, justement. Un land encore, du côté de Raffine. Ou là, par contre, ouais, on peut land Raffine. On va jouer White, White Plume. Ouais, on part sur White Plume. La Miscale qui allait payer largement. Ouais, par contre, la Memory Lapse, non. Ouais. Bon, là, faut pas laisser passer. Hein. Ah, sinon, il va aller au bout avec cette initiative, hein, clairement. Totalement. Ça va être très vite problématique. Et on va dire oui. Tu penses qu'il a dit oui déjà? Bah, j'ai l'impression. Ah, oui, non, peut-être pas. Alors, faut pas que ça passe. Hein. Parce que là, en plus, on a l'avantage, on peut lapse pendant notre tour, on fait expressive itération, retrouver une réponse, continuer à avancer. Ah, oh, si, on va dire oui. Passé. Un land de base qu'on va pouvoir directement lander. Une plaine. Généralement, c'est ça ce qui est priorisé dans Raffine. Voilà la plaine. Et on va dire sûrement go. Oh oui, voilà. Là, on est bien. Là, le but du jeu, c'est de ne pas prendre une phase d'attaque. Là, on a gagné les parties. Voilà. Ah, c'est bien résumé. Hein. Comité, un avis sur l'initiative? Faudrait arrêter avec les capacités comme ça, à mon avis. Mais bon. Ah, même là, pour le coup, c'est pas de la faute du comité. Non, c'est pas de la faute du comité. Non. C'est de la faute de monsieur Gavin, machin truc mûche. Machin truc mûche qui nous gaze à toujours jouer des mécaniques. Ouais, mais après, il fait des mécaniques pour le multi, lui, il s'en fout. Ouais, lui, ouais, lui. Mais bon, c'est... En multi, je pense que c'est fine. D'ailleurs, dès que t'en as un qui pose ça, je pense que les autres, ils le regardent bizarrement. Hein. Dire à toi, Pépère, tu vas prendre la sauce. Hein. Et puis, ils se le passent les uns les autres. Tantôt, on va cycle cette miscalc qui ne servait à rien. Bah ouais, là, comment cette. On piochait ce comptage. D'ailleurs, ce qui est dommage, c'est de ne pas avoir pioché, par contre, en réponse à. Après, ouais, il pouvait avoir un autre truc à jouer. Je crois que c'était un Assunta. On va jouer notre expressive itération. On va dire oui, sûrement du côté de Raffine. Bah oui, pour l'instant, en fait, comme tu l'as dit, hein, il suffit de garder l'initiative, donc. Ugin, ça passera jamais.
Mais bon, on peut le mettre. Ouais, on a C'est. Non. Ottawara. Ottawara, c'est bien. Ouais, je vois pas ce qui est en quoi ça l'aide, Bah, Ottawara. ça peut temporiser en envoyant au moins un White Plume en main. Eugène Ça qui gagne part en un dessous, ça tour. c'est pas une surprise. Breeding Pool, Ottawara. On met Ottawara en main, Breeding Pool sur le Ouais, côté. c'est ça. Et on lance ce Breeding Pool. Exactement, c'est exactement ce qui va se passer. Breeding Pool. Tac! Ça arrive, tape. Votiago. L'UPV, oui, ça peut commencer à compter, mine de rien, parce que White Plume est à 3 hits normalement de. Même pas, moins que ça, du coup. 2 hits. Oui, 2 hits de tuer, sachant qu'à l'entretien, on va tuer de base, donc Les deux marqueurs. ça risque d'être pas mal. C'est tellement fort. Hein. C'en est assez absurde. Alors, est-ce qu'on peut clore la game là-dessus? 5, non. Ouais, Oh! on va condamnation. Oui, Condamnation. c'est vrai qu'il y avait ça. Il faut que ça passe. On va faire gagner Ce 5 qui est PV à Eugène risqué, Ottawara. c'est de garder cet Ottawara alors que lancer directement Ottawara permettait de passer sous beaucoup de contres. Alors que là, si ça se fait contrer, on peut Alors, plus payer Ottawara. certes, mais le truc c'est que. On donne un token à l'adversaire si on joue Ottawara, et surtout notre adversaire peut juste aussi rejouer White Plume, ce qui lui fait perdre instantanément 5 PV. Ah oui, c'est vrai, il y a l'histoire du land qui donne des Donc tokens. ça peut ne pas marcher, effectivement. Counter spell? Mais Non. Ah voilà, non, ça. Memory Lapse. Et là, c'est très très fort, parce que du coup, on bloquerait la pioche. Là, Et normalement, on a ça Memory permettrait de Lapse en finir. main. Il faut Lapse le Lapse. Il faut la jouer, hein. Parce que là, du coup, on donne toutes les infos à l'adversaire et on perd à l'entretien. Ouais, du coup, on va Lapse le Lapse. Est-ce qu'on a encore une réponse du côté de Raffine? Si c'est le cas, c'est Oh, le si c'est le cas, je pense GG. que c'est GG. Si c'est pas le cas, bah c'est pas le cas. Pas de palais. Pas de palais. Pas de palais. Oula, Oula, 4. Venser? Venser. Oh, Venser. C'est propre. C'est propre, c'est propre. On remonte le laps. On peut pas le jouer. C'est. Non, au-dessus. Non, Non. c'est Condamne qui est au-dessus. Ça, c'est en Voilà. main. Ça, c'est au-dessus. T'as plus l'achat, elle est bloquée. T'as pris 5. Et bonne Et chance des pour bisous. tenir. Parce que là. Il meurt à l'entretien parce qu'il descend à il Il est descend à théoriquement. 4. Ouais, il est à 4. Ouais. Autour de 4, alors même si c'est 5. Là, il meurt prochain tour, c'est sûr. Oui, parce qu'il faut regarder des points de vie, il Enfin, faut en tout cas, gérer le board, c'est faut en tout faire l'état d'un des coup. PV, normalement, il doit être à portée de l'étal. Là, faut tout faire d'un coup, hein. C'est-à-dire gérer le board, gérer les PV. Et on va pas faire ça avec notre top deck. Bah malheureusement non. Là, du coup, le laps était Elle est le où la meilleur pour. créature? Elle est où la créature? Ace, Vigilance, Death Touch, Trample, Lifelink. Lifelink. Incontrable, inciblable. Au moins 4-4. Au moins. C'est pas question list. Du coup, le reliquaire impie qui est posé tape, évidemment. Et puis bah c'est le sexe. Et je crois que, ouais, malheureusement. Non, en train de regarder. Alors, c'est quoi ça? Ah, ouais, je suis mort. Bah, c'est bien. Les mécaniques qui jouent toutes seules. Et oui. Mais bon, bah qu'est-ce que tu veux? C'est là. Ça fait partie des. Préparez vos questions au comité pour la conférence du Oui. samedi 1er juillet. Vous pouvez ramener des casseroles et des tomates aussi. Ah non, en ce moment, les Non. casseroles et les tomates, c'est pas vraiment à destination du comité. Il y a une autre personne qui a déjà pris les casseroles. Ouais, mais bon. Et du Et coup, c'est une c'est fin de pas game. grave. Ouais. Il a compris que ça serait. Il remonterait pas ça. De toute façon, il allait mourir à l'upkeep. Ah, on avait bien un Bob, tu vois. J'avais cru comprendre qu'il y avait un Bob. Il y avait un moyen à Skanta aussi. Ouais. Malheureusement, Ascanta, j'adore la carte, mais j'ai l'impression que c'est très compliqué de pouvoir C'est l'exprimer en ce moment. assez Et trop même nouveau quand T2, même. qui est un des rares spots, tu dis tu le fais. Si t'es sur la draw, tu dis ah ouais, T2, je fais Ascanta. Et là, le T3 en face, il Ah t'arrache la tête. bah oui, tu prends White Plume Aventureur, tu as perdu ta partie. Voilà, Voilà. c'est. Oh, alors après, peut-être que C'est l'initiative, ils vont intéressant se les games dire de contrôle White maintenant. Plume, c'est peut-être celle qui va sauter. S'il y en a une, je sais pas. Parce que... Et garder celle à 4 en attendant de voir ce qui se passe. Oui, à la limite, mais. Vraiment, c'est Et très Yoshimaru désagréable, Mox White White Plume. Plume. On joue à Magic. Ouais. Ou pas en fait. Enfin, Raffine, ça sera toujours cassé, du coup. Ah bah Raffine pour l'instant c'est. Je sais pas comment tu calmes le pack et je pense pas que le problème vienne justement à nouveau, comme pour Grist à l'époque, de la command zone. Ouais. Je pense que ça reste ok. Il faut qu'il y ait des decks comme ça qui s'expriment, des decks tempo. C'est un très bon deck tempo.
Sauf qu'à l'intérieur, il y aura à nouveau des mécaniques qui font que ça casse les games très fort. Trop de cartes gratuites aussi. C'est compliqué en fait de réguler cette partie-là maintenant de Magic, sachant que bah il y en a beaucoup qui sortent et le comité ils peuvent pas faire une banliste à rallonge. Enfin c'est ça. Bah, dans ce cas-là, pour éviter les banlistes à rallonge en termes de cartes, va peut-être falloir commencer à taper sur des règles plus globales, changer de fusil d'épaule, est-ce que le comité va pas se dire on met de côté un peu certains principes qu'on avait mis au début. Qui était de dire on banne pas de mécanique, on banne pas de machin, on banne pas une édition complète, on reste sur un format éternel. Mais à un moment donné, je pense aux mécaniques du multi, si on voit l'accumulation entre... Alors au début, il y avait le monarque. Et maintenant, on dit que le monarque, c'est fine. Oui, forcément. Parce que, Il n'y avait pas le monarque dès le départ. Enfin, c'était pas le monarque dès le départ. Non. Arrivé, on se disait, tiens, une mécanique de multi qui arrive. Bon, il n'y a que Palace Jailer, mais une mécanique qui est venue un peu... Je crois que ce qui a foutu le plus gros coup de pied, ça a été ses partenaires. Oui. Et ça, par contre, ça a été bien géré du côté du comité. Ils ont réussi à... Ça a mis du temps, mais ils l'ont fait. Oui, mais parce que avant de leur faire comprendre que c'était du CA gratuit... C'est pas ça le truc. C'est plutôt parce qu'il y a une certaine personne qui, à mon avis, ne devrait plus être là depuis un certain temps et qu'elle bloque un peu tout. Mais bon, je ne sais pas comment je vais la poser, la question, mais ça fait partie de mes questions de savoir comment les décisions sont votées. Ça, j'aimerais avoir un peu plus de transparence sur la méthode, pas sur les personnes. Je m'en fous de savoir qui vote quoi. J'aimerais savoir les choix qui ont été votés, le résultat des votes, etc. C'est juste le truc tout bête de me dire un procès verbal. Dire, voilà, un procès verbal, le comité s'est réuni, il y a eu ça sur la table, voilà ce qu'il en est ressorti. Par écrit. Par écrit, sur le moment de l'annonce, voilà l'annonce et en dessous le procès verbal de leur. Si c'est compliqué pour eux, j'ai déjà entendu dire ils ont du mal, ils ont tous leur emploi du temps personnel et c'est compliqué de se réunir pour prendre des décisions. Beaucoup de gens qui sont pas mal occupés au niveau professionnel et personnel. Donc ça, je l'entends parfaitement, mais qu'on ait un peu plus de... Parce que j'ai l'impression qu'en fait, on mange l'info tous les deux mois, dire « Ok, c'est ça, d'accord. » Mais ils expliquent le choix de ce qui est fait, mais ils n'expliquent pas ce qui n'a pas été fait, justement. Ou alors, comme ils disent, c'est fait pendant le stream. Moi, personnellement, c'est sans méchanceté, je ne le regarde pas. Moi, je lis le truc et je me dis « Mince, il n'y a pas eu ça. » Et j'aimerais en fait que ce soit posé par écrit. Et je pense que William est parfaitement compétent pour formuler ça. Au niveau des annonces de banistes. En tout cas, ça nous intéresse, ça nous intéresse pas, si ça nous intéresse, mais ça n'intéresse pas la suite et la fin de cette vidéo. Vous pourrez en débattre aussi dans les commentaires, n'hésitez pas, ça permet de faire une petite transition, comme d'hab, n'hésitez pas à liker, commenter, partager les VOD, lâcher un petit commentaire, c'est pour le référencement. Je sais qu'il y en a, ils font des fois de temps en temps un petit coucou, c'est le référencement. Oui. On se retrouvera du coup en demi-finale et la prochaine partie ce sera à nouveau Dorian qui a été filmé, ils n'ont pas basculé de l'autre côté du bracket contre ton deck de cœur. Oh putain, je l'avais oublié déjà. J'allais dire c'est quoi? C'est Fur. Exactement. Ah, c'est pire que Fur là. C'est le prochain BO. C'est quoi Koubé? Exactement. C'est quoi Koubakia? Ah ouais. On va commenter du Citizen. Tu vas te manger du Kwaku Citizen dans la figure? Ouais. Ah, j'ai déjà pas envie. Tu le fais tout seul? Non. Oh non. Non, j'ai besoin, tu vois, de pouvoir savourer ton sel. Là, mon gars, tu vas avoir ta dose. Allez, du coup, on lâche ça tout de suite. Celle-là, cette VOD est terminée. On se donne rendez-vous à la prochaine pour Cities. Et nous, on va enchaîner direct. Allez, ciao, des bisous. Plein de gros bisous. À la prochaine. Ciao.